Max Lampin est une ordure. Il s'agit d'une première phrase qui place d'emblée le lecteur dans une situation d'infériorité. Je connais Max Lampin, lui, pas. Tout ce qu'il peut savoir, c'est que c'est une ordure, donc que c'est un homme. Il est difficile d'insulter quelqu'un en français, puisque ce qu'on peut dire de sa mère, de son père ou de ses aïeux, on s'en fout. De toute façon, le jugement de quelqu'un qu'on ne connaît pas sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça ne va pas très loin. Moi, je commence une crise de rage et j'arrive au constat qu'il est finalement impossible d'exprimer par des mots sa haine. On finit par radoter. Max Lampin est très inférieur à la qualité de haine que j'ai pour lui. Et donc, à l'arrivée, les gens sauront que j'ai plus de haine, mais ils n'en sauront pas beaucoup plus sur Max Lampin. L'intérêt d'une première phrase, en fait, elle n'est pas tellement pour le lecteur, puisque le lecteur, en général, à la première phrase, il est encore disponible pour la seconde. Donc rien n'est perdu. Elle sert surtout pour soi, pour moi, pour me donner la motivation de continuer.